réitérer mes vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent. Je trouve que la ligne nécessaire, ensemble avec vous, que Tom et Kako réfléchir sur une épineuse question qui dérange tout le monde. Et je me rends compte que Batunyoso va d'ailleurs déranger, va d'ailleurs éviter qu'on m'y pose certaines questions. Et pourtant, ces questions-là, elles allient une exigence constitutionnelle. Ces questions-là, elles allient nécessaires pour nous permettre, n'est-ce pas, il n'y a qu'à tirer de bonnes conclusions. Parce que vous tous, vous vous interrogez sur les crimes. Oye Salami, Oye Zako, continuez que Salima. Dans la gouvernance, il y a M. Félix Ekeli. Et d'aucuns semblent négliger la nécessité à établir les responsabilités. Alors, le loto Bela, les crimes d'un président non élu. Parce que déjà au départ, il faut qu'on y baboué. Nous avons effectivement institué les élections justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Et dans ces élections, on suppose que la population transfère son pouvoir d'agir à la personne de son choix. Et de ce fait, la personne qui assume la fonction a des responsabilités. Mais cette personne aussi a un devoir et une redevabilité vis-à-vis à bateau, à commissier Mokondi Amboka en leur nom et pour leur compte. Lorsqu'on commence d'abord par le dépôt Yaba candidature, il y a un ensemble de conditions pour être candidat. Et parmi ma condition, au-delà d'être congolais d'origine, avoir minimum 30 ans, il y a aussi ma critère, autre bien ma critère, trop bien un critère moral, le degré, il y a crédibilité à personne, le degré moral, le niveau moral, il y a moutou. Le lengue naïe à Kozala. On suppose que la personne qui veut être président doit être un modèle. Et dans ces modèles, il doit les renforcer dans ses missions. Peut-être la particularité qu'a cette constitution, la constitution a créé un juge naturel pour la personne du président de la République. C'est-à-dire que la personne qui assume la fonction du président de la République. Cette personne a un juge, et son juge, c'est la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que celui qui est président n'est pas un dieu. Il n'a pas un pouvoir supraconstitutionnel. Il peut être poursuivi et même arrêté. Et lorsqu'on le poursuit, il y a une procédure, et cette procédure est constitutionnelle. Donc, je voudrais vous dire que le juge naturel d'un président de la République et d'un premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle, qui est aussi en même temps le juge électoral, malalipé le juge pénal, il y a président de la République. Et Bangonde Badali chargé, il y a couvert sur la constitutionnalité de lois et des actes. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, qui est constituée de 9 juges et les juges pénals du président de la République. Alors, l'article 163 de la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans le cas ces conditions prévues par la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut voir que la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale. C'est-à-dire que c'est cette Cour qui juge le président de la République et le Premier ministre en matière aux exalies pénales. C'est-à-dire que quand il commet de fautes, quand il commet de choses qui sont contraires à la Constitution et à la loi, Désolé pour la connexion. Cette juridiction pénale va prendre le dossier du président de la République, va analyser, va faire, va confronter Ango avec la Constitution. Si on constate qu'il a violé la Constitution de manière intentionnelle, s'il a posé des actes aux alliés qualifiés de haute trahison, les juges de la Cour constitutionnelle les jugent comme un vulgaire, comme un délinquant, et il sera condamné.
Et les sanctions sont connues. Ce sont les juges qui doivent fixer les sanctions par rapport à les actes posés. Mais ce qui est vrai, cette personne-là qui assume la fonction du président de la République, le fait d'avoir violé certaines dispositions de la Constitution et de loi, cette personne-là ne peut plus assumer la fonction de président de la République. L'article 164 de la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, virgule, d'outrage au Parlement, ça c'est pour le premier ministre, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commis dans l'exercice. Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger leur co-auteur et complice. C'est-à-dire que le président de la République peut être jugé. Et nous avons dit ici que le juge du président de la République est connu. C'est la Cour constitutionnelle. Et bien, fait au Bakoyi Kolanelaye. Balobi Angwao, Balobi, les infractions politiques de haute trahison, l'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, c'est-à-dire entre le premier ministre et le président de la République. Elle est également compétente pour juger leur co-auteur et complice. J'insiste, pour souligner co-auteur et complice. Cela veut dire quoi en clair? Cela veut dire que le président de la République n'est pas exempté des peines. Le président de la République peut être poursuivi. Le président de la République peut être jugé. Le président de la République peut être condamné. Lui et tous ceux qui sont considérés comme co-auteurs ou complices. C'est-à-dire que la complicité dont parle la Constitution ici, Eric Kolobali, que le président en fonction peut faire des choses ou peut faire des choses qui énervent les dispositions pertinentes de l'article 164, il sera poursuivi, lui et ses co-auteurs ou ses complices. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qu'il peut faire seul, il y a d'autres choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il peut faire avec les autres. Yango Balobi, co-auteur et complice. C'est-à-dire que des faits qui sont posés directement par lui ou indirectement par lui, mais toutes ces choses-là, Bakoki qu'on poursuit, vous voyez, et les traduit en justice, il peut être sanctionné. Alors, l'article 165 de la Constitution dit ceci. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison. Là, maintenant, on commence à définir le concept au Babimisa qui est dans l'article 164. Ce qui vous remarquez, article 163 est énoncé le principe que la Cour constitutionnelle est le juge pénal. L'article 164 épaissit énumération, il y a bafé pour lesquels on peut le poursuivre. L'article 165, ayez maintenant qu'on définit ces infractions-là, au Yobakoyu qu'on poursuivre le président de la République. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment, lorsque le comportement personnel du président de la République ou du premier ministre est contraire aux bonnes mœurs,
ou qu'ils sont reconnus auteurs ou co-auteurs ou complices de la malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. Il y a délit d'initié dans le chef du président de la République ou du premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas outrager les parlements, mais pour tous les restes, il peut être poursuivi avec ou sans le Premier ministre. Ça dépend de ce qu'elle lui pose comme acte. Ça, c'est votre constitution. Alors, je vous demande d'abord, vous qui nous suivez, de partager, de tout faire pour que Batuba Kota, de plus en plus, na Elonja TV, va s'abonner massivement, ensemble avec vous, de Kokoka pour réfléchir. Alors, si vous voulez interagir, nous avons ouvert le téléphone, Okoyo Kobenga Bissona, +243, notez, 97, 034, 58, 78, 97, 034, 58, 78. Alors, cela veut dire que la Constitution elle-même a défini les infractions, a fixé ma infraction, ma crime, poursuivre un président de la République, va définir en haut pour voir le contexte, le comment les choses se font. Et il vous fixe aussi la personne ou les personnes, le juge pénal du président de la République. Article 166. La décision de poursuite, ici nous parlons de la décision. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers de membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. C'est-à-dire que le président de la République peut être poursuivi, mais la décision et la poursuite ou la mise en accusation dépend de deux tiers du Parlement. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votées, blablabla. Ça, c'est la Constitution qui fixe. Article 167. Article 167. Là, tu as eu code, ça juste, tu as eu ça l'introduction pour que vous voyez ce que nous voulons dire. Article 167 de la Constitution dit ceci. En cas de condamnation, c'est-à-dire qu'il peut être condamné, en cas de condamnation, le président de la République et le premier ministre sont déchus de leur charge, la déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle peut déchoir le président de la République et le premier ministre. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit président ou premier ministre, les poursuites contre le président de la République et le premier ministre sont suspendues. C'est-à-dire qu'avant comme président de la République, avant comme premier ministre, ils auraient posé des actions à commis président. Fait au banais qu'on reprochait avant sont suspendus. Au banais qu'on reprochait avant sont suspendus.
jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Parce qu'il y a une prescription pour tout acte. Au cours de ça, la fée Moko Babi, la prescription est d'une année. Après une année, on ne peut plus vous poursuivre pour ça. Mais lorsqu'un président de la République pose des actes, lorsqu'un candidat ou une personnalité politique pose des actes, et qu'on n'a pas encore conclu le procès, pendant qu'il est en procès, il présente sa candidature, cette personne est élue, on suspend la procédure. Si la prescription était d'une année et qu'il avait encore 9 mois, on suspend et la prescription va continuer à la fin de son mandat. C'est-à-dire que pendant qu'il est président, on ne peut pas le poursuivre. Mais dès qu'il quitte, on peut le poursuivre. Voyez-vous, pour le faire, pendant qu'il est en exercice, on peut le poursuivre directement. Et on a énuméré, devant la Cour constitutionnelle. Ce qui veut dire que tous ceux qui pensent qu'un président de la République ne peut pas être poursuivi, parce que la Constitution ne le dit pas. Le président de la République peut être poursuivi, il peut être condamné, il peut être déçu de ses fonctions sur pied des dispositions pertinentes de la Constitution. La Constitution n'a pas interdit que le président de la République en fonction soit arrêté, soit poursuivi, soit déçu. Il peut l'être. Alors, tu comprends les bisognons sur que le président de la République bénéficie d'une sorte de privilège juridictionnel. Il ne peut pas être jugé par n'importe qui. Il ne peut pas être poursuivi pour tout fait. Il y a des faits pour lesquels Bakouki qu'on poursuit, voyez. Et la procédure, elle dit que pour qu'il soit mis en accusation, pour que Baba Sam Bisaye et Sengeli, que la décision wana ezwama au niveau du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait? Il a cherché d'abord à maîtriser le procureur général prêt à cour constitutionnelle. Il a nommé des gens que lui maîtrise. Ache Muto Yalingi a la procureure générale prêt à cour constitutionnelle. En ce moment-là, la personne qui devait porter le dossier, Yemoko déjà a un militant. Maboyi, qui est à la Muto, a une indépendance d'esprit. Ache Muto Yalingaki. Deuxième étape, le juge qui devait convoquer, qui devait le juger, Aluki Acha Bato Yaye, automatiquement la cour constitutionnelle. Azana maîtrise Nayango, justement parce qu'il a yébi que même quand il pose des actes, la cour constitutionnelle, pas la cour constitutionnelle, mais les acteurs, les animateurs de la cour constitutionnelle ne pourront pas le poursuivre parce qu'il va batounaye. Il va maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Il maîtrise le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ce sont les deux personnes qui convoquent le Congrès. Alouki maintenant a entretenu les députés et sénateurs pour que Bango ait courage et la capacité de voter pour la mise en accusation. Automatiquement, les deux instances qui ont la responsabilité constitutionnelle d'enclencher la procédure, il y a poursuite, il y a M. Félix Tshisekedi en tant que président, il en a déjà la maîtrise. Alors qu'on maîtrise Bango tout, c'est-à-dire que ce soit son juge, que ce soit ceux qui autorisent sa poursuite, les deux instances, Azan la maîtrise Nabango. Automatiquement, M. Félix Tshisekedi ne pourra pas être poursuivi. Alors, il y a encore un autre événement. La loi portant statut des anciens présidents et des chefs de corps. Cette fameuse loi qui était contestée et contestable. Et le biboué, on ne peut pas poursuivre le président de la République, l'ancien président de la République, de la Makambu Oyo Asalaki, pendant qu'il est président. C'est-à-dire que quand il pose des actes en tant que président,
Si vous ne les jugez pas en tant que président, vous ne pouvez pas les juger en tant qu'ancien président. Ce qui veut dire que le fait posé, les actes posés par le président en fonction, Bokoki kolandela yete soki alongwe président. Oyo la loi ne le bibwe. Bakoki kolandela ye kaka soki a posé ba acte pendant qu'il est ancien président. C'est-à-dire que s'il pose des actes contraires à la loi pendant qu'il est ancien président, Bokolandela ye ba kaka pona ba feoana. Mais attention, cette loi dit ceci. Pour qu'il soit poursuivi, il faut que la décision à mise en accusation na décision à mise en accusation na yé, décision à poursuite na yé, il faut être à la paix sous surprise en être à la sous décidé na niveau à l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. C'est-à-dire que le président qui est en fonction doit chercher à maîtriser la Cour constitutionnelle, le Parlement pour qu'il soit en sécurité, pour qu'il soit immunisé contre la justice. Dès qu'il quitte, il est pris en charge par la loi. Les faits pour lesquels à Salaki Mabé, pendant qu'il était en fonction, on ne peut plus le poursuivre. Automatiquement, nous instaurons l'impunité. Alors, dites-moi, quelqu'un qui sait que même s'il détourne l'argent, même s'il pose des actes criminels, il ne pourra pas être poursuivi. À cause de la limite, à cause de Mabende. Pour le quoi, Yébike, pendant qu'il est président, Bakoyiko poursuivre Yété. Après qu'il ne soit président, Bakoyiko poursuivre Yété. Dites-moi, un tel monsieur, qui sait qu'on ne peut pas le poursuivre pour la Magamounion, Soya Koyiko ça. Même si aujourd'hui, il cassait la Banque centrale, Abimissimo Mounion, Soya l'État, Achiangona Kontinaye, il ne peut pas être poursuivi. Même si aujourd'hui, il occasionnait la mort des Congolais, même si aujourd'hui, a trahi, a violé la Constitution, a cédé une partie de notre territoire, le fait seulement qu'il sait que le juge, basan a solde naïe, basan a maboko naïe, na poche naïe, bakoyoko salaye le côté. Le Parlement, azali déjà na cause naïe, azali bras séculier naïe, automatiquement, cette personne a un pouvoir supraconstitutionnel. Il a un pouvoir au-delà de la Constitution. Il devient souverain. Or, la Constitution, Nabiso, dans mon livre de la Constitution, dans la lettre de la Constitution, il a dit que nul n'est au-dessus de la loi. En ce moment-là, celui qui assume la fonction du président est au-delà, au-dessus. Azali Likolo Yamibeko. Pour Ayébi, que personne ne peut le poursuivre. Ce qui fait qu'il se permet de tout faire. Pourquoi nous le disons? Vous prenez l'attitude de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi initie le programme il y a 100 jours. Près de 700 millions de dollars. À l'objet que le gouvernement était démissionnaire. Le gouvernement Ilou Kamba donc était démissionnaire. Et le col à l'objet qu'ils allient des missionnaires, à ça l'usurpation de compétences. À Zubo Konjo, ils allient dévolu au seul gouvernement. À Pessi n'a pas mis de connaissances. À Zubo Konjo, Pessi n'a pas mis naïe. N'a quand il y a cash. À Pessi Kamere. À Pessi la conseiller principaux, la conseiller spéciaux naïe. Va gérer, va piloter un programme inconstitutionnel. À Pessin à bateau, bazar apparaître, na charpente institutionnelle, à Pessin Bango va gérer. L'argent a été détourné. Il vous souviendra d'ailleurs qu'il y a eu un procès bidon où on a fait semblant de juger Kamere comme superviseur, comme coordonnateur des actions gouvernementales. Personne n'a vu l'ordonnance désignant Kamere comme coordonnateur, comme superviseur, mais il a posé des actes au nom et pour le compte de l'État, sans avoir ni titre ni qualité. Procès Wana Lelo, le tombeau est vide. Tous ceux qui ont participé, tous sans exception, Babima en prison. Et l'État n'a pas recouvré son argent. Les actions pour lesquelles Babima qui Babimsa qui va financement, Tomona a ngoté. L'argent a été détourné. Or, en réalité, si vous regardez,
Monsieur Félix, c'est Monsieur Félix Tshisekedi qui devait être poursuivi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui en était l'initiateur. C'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir na bato ba posa ki ba acte dans l'État sans avoir un soubassement constitutionnel. A monique mbongo ya l'été bungi. Deuxième étape, a présenté programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ce fameux programme torchon. Oye a présenté qui na monga foule. A joué programme wana, a pensé les sources na ba collaborateur. Ce programme qui n'avait pas de soubassement constitutionnel, qui n'avait pas de soubassement légal, a pensé na ba tunaye. Tant à moni que simbite a sali programme chilegelu. A joué le sous programme, a pèsé sous na batunaye. A pèsé batunaye à présidence, va coordonner, va superviser, va piloter ce programme-là. A sali sous programme PAI, programme alimentaire d'urgence, a pèsé sous na batunaye. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, à lui seul, a piloté, lors pendant ses mandats, a piloté 4 programmes inconstitutionnels. 4 programmes. Et pour chaque programme, il y a des détournements. On détourne pour les 100 jours. Il y a une clameur publique. Batoubabeli, au voleur, au voleur. Ils font semblant de prendre ceux qui auraient détourné l'argent. Batoubabeli, on est en prison pendant quelques minutes. Batoubabeli, on est en centre Nganda. Batoubabeli, semblant. Batoubabeli, l'argent de l'État est parti. C'est lui qui a posé les premiers actes. À quel programme Chile Gelou? 13 millions de dollars. Mbonge Bungi. C'est lui qui a posé les premiers actes. À quel programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales? Plus de 133 millions de dollars. À Pessina, à mise de connaissances. Mbonge Bungi. Basali semblait à Koloba Koloba. Bokomo la Makameko. Là, d'ailleurs, les gens qui ont posé les actes dans ce programme-là, la plupart ont été promus. Il y a certains qui sont devenus des directeurs généraux. Tous ceux qui ont posé des actes contre la République, Batouana Bazali exempté de peine. Mais le criminel en chef n'est pas poursuivi. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde attend à ce que Yé a décidé sur sa Ponakosta la Yé pour poursuivre Yé. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un qui a posé des actes contre l'État, contre la République, et vous attendez à ce que lui décide sur son sort? Les juges qui n'ont d'autorité que la loi, au regard des dispositions pertinentes de l'article 150 de la Constitution, Constitution des Ali Moboko, il y a moins des Ali et des Ali fondements de l'État. Quelqu'un qui viole intentionnellement le loi de la République, alors qu'on protège la usurpation de la compétence, il a révisé la Constitution. Il considère que quand le gouvernement est réputé démissionnaire, le compétence et le gouvernement est commis à la présidence de la République. C'est-à-dire qu'à ça, il sort à juxtaposition à la compétence. Il prend les compétences dévolues au seul gouvernement. Ami Pessi Yemoko, a joué à Pessi Mbatumbo ou à l'État. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'instruire le gouverneur de la Banque centrale de décaisser l'argent. Il a le pouvoir de dire au ministre de la Finance, Yako Tshiango, Ezaebima de manière urgente sans respecter la chaîne de la dépense. Il a le pouvoir, il a la capacité d'orienter ce qu'il est protégé. C'est cette réalité-là qui fait que Azakoba, il peut faire de l'argent de l'État ce qu'il veut, il sait qu'il est intouchable. Alors dites-moi, quelle est cette république qui peut se développer avec des présidents intouchables? Même dans une monarchie, on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu ce désordre-là. Même le loi, ou le roi, par rapport à la norme, ils ont établi. Si ce n'est pas la loi écrite, mais au moins il y a la coutume. Comment Moutouakoui Kosala Makamu Oyalingi dans une république? Et tout le monde a peur. Tout le monde a peur de dénoncer ce que M. Félix Tshisekedi fait. Oh non, bazako sala magamuna kasai. Ce qui vous lobby, non, il a quitté le tribalisme. Bolinga kaba kasai yente. Non, mais il a pris plus de 200 millions de dollars à tiamona kasai. Ouais, par réalisation. Il vous dit que, non, voilà, il est nationaliste. Mais il oriente des projets dans sa province d'origine. Et même les gens de la province, bazomone loote. C'est-à-dire qu'il nous dit ici qu'il fait quelque chose en Akasai. Tout le monde pense qu'on fait quelque chose dans Kassai parce que l'argent a été décaissé, mais en réalité, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Peut-être les gens ne le savent pas. Les dossiers à détournement de fonds en matière d'infrastructure routière dans le Kassai, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'argent a été décaissé il y a bien longtemps. Bateau, baye, bite, allez voir. L'argent a été décaissé bien longtemps. Déjà en 2021, M. Fesseke avait décaissé l'argent. En 2019, M. Fesseke avait décaissé l'argent. Il y a des rapports et inspection générale et à finance qui a fitigé. Et vous savez pourquoi, non exécuté par M. Fesseke, vous savez pourquoi il n'arrive pas à faire beaucoup de bruit? Parce que ce sont ses chefs qui ont détourné l'argent. C'est-à-dire que pour Naïjef, il suffit seulement de faire le rapport, il s'était. Il n'y a pas de suivi. Il ne passe pas à la télé pour insister. Mais lorsqu'il s'agit d'Abatoumoussou, souvent on est à Télémy. Oh, la justice ne fonctionne pas. Mais monsieur, allez voir ce qui s'est fait à la présidence. Je vous ai toujours dit, les plus grands criminels ne sont pas loin de la présidence. Je vous ai toujours dit cela. Aujourd'hui, les gens pensent que M. Fesseke, comme il est président, il est exempté des peines. Non, ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs. En bon, quelle est cette manière de gérer la République? Vous vous choisissez de mauvais collaborateurs, vous leur donnez des compétences qui ne sont pas, leur sont pas reconnues, vous n'arrivez même pas à les sanctionner, même des mesures conservatoires, bozozoate, et vous reconduisez cette confiance que vous leur donnez, que vous leur faites, et à la fin vous dites, ce ne sont pas eux, et ce n'est pas lui, ce sont les autres, ce sont les collaborateurs. Qui a choisi les collaborateurs? Qui leur a donné la compétence? Qui leur a confié la mission? Il y a qu'au Zambon et à l'État, il y a qu'au superviser. Comment sont-ils arrivés à détourner l'argent? Et comment on peut se rendre compte que l'argent a été détourné une année après? Dites-moi. Comment dans un pays sérieux, oh, Makameza Gotamola, normalement, on peut se rendre compte que l'argent qui était destiné à la construction d'une route a été détourné une année après? Dites-moi, comment pouvez-vous expliquer ça? Parce que Ndela Sokezo Salema, même si on n'est pas technicien, on doit constater que Ndela Sokezo Salema. Comment de routes qui devaient être construites et Tongamité, c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, M. Fesseke Tangazaki na Kassai, la fois passée, pas cette fois-ci. Baebisaye Kemisale Samité, il avait promis des sanctions, non? Aucune sanction. Et vous savez qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, non, voilà, la justice doit faire son travail. On vous parle, il y a principe, il y a séparation du pouvoir. Chaque organe a le pouvoir de faire ce que lui est reconnu par la Constitution. Mais ce fait, c'est qu'il ne peut pas s'ingérer sur les questions judiciaires. Mensonge. Mensonge. Mais ce fait, c'est qu'il a instruit le juge pour poursuivre Matata. Ce n'était pas, là, il ne s'agissait pas de l'ingérence. Si vous ne pouvez pas les sanctionner sur le plan judiciaire, mais au moins, vous pouvez les sanctionner sur le plan administratif. C'est possible de sanctionner un adjoint. Les membres du cabinet sont des administratifs. Ils sont basés pour travailler à la présidence. Ils ont été nommés par lui. Il ne les a pas sanctionnés. A sanctionné Bamote. Mais Mbongo et la République est bimi. Bande Konanga et Nazako et Bissabino. Batam Sambouga Boïté. Batam Sambouga Boïté. C'est comme si le pays est dirigé par des délinquants. C'est comme si le pays est dirigé par des immoraux. Vous dites ici, la population kassaïenne, il y a la souffrance, il faut tout ça, quelque chose pour Navago. Même si les autres aussi sont dans le même besoin, ils ont accepté, il y a quelque chose. Et vous prenez l'argent de la République. Vous dilapidez l'argent de la République, boy. Attends, vous, il y a ma tangue. Il y a un monde sans ordre. L'argent de la République est en train d'être dilapidé. Makamo et Zosé Abeng a un mot malversation financière. C'est répréhensible. On peut sanctionner un président pour malversation financière. Lui et ses co-auteurs, lui et ses complices. Ne jugez pas seulement le complice. Il faut juger la personne qui a enclenché, qui a créé les conditions pour qu'il y ait détournement de fonds. C'est ça la République que nous voulons. Vous savez quoi? Sarkozy a été condamné.
Il faut toyer ce que nous voulons. On ne peut pas bâtir une république sur l'immoralité. Il faut que nous fassions la promotion des valeurs. Le valeur cardinale où ils aient constitué la base philosophique de la gouvernance. Il faut que nous sachions ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Arrêtons de mettre les émotions sur ces faits-là. Non, il n'est pas Dieu. Il ne pouvait pas savoir que les gens ont détourné. Non, c'est faux. Dans la gestion, on ne peut pas être surpris du détournement une année après. C'est impossible. Et d'ailleurs, comment peut-on donner de caisser toute l'enveloppe sur les enveloppes et à financement à travaux du coup? Sauf si on a l'intention de détourner l'argent. Ce n'est pas normal. Le pays se meurt. Lèvons-nous. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons. On ne peut pas espérer voir les détourneurs demeurer au pouvoir et en même temps espérer voir le pays se développer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je vous demande à vous, peuple congolais, partout ce qu'à vous allez, levez-vous. Si la justice est inféodée, si la justice est caporalisée, il y a une justice que la Constitution seule reconnaît, la justice populaire. Si les juges sont corrompus, si les institutions sont caporalisées, il y a le juge suprême que nous appelons le peuple, le souverain primaire. On ne peut pas compter sur la Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui très courte. On ne peut pas compter sur le Parlement qui est constitué essentiellement de corrompus et de corrupteurs. Si nous devons faire quelque chose, c'est à vous, le peuple, qui revient la responsabilité. Il y a que l'ongola, batu nyonso yo bauti, kouyi babinombo. On vous dit non, voilà, on aurait décaissé 42 millions de dollars pour construire l'université dans le Kasaï. Mais qui peut refuser batonga université dans Mbujimayi? Parce que l'université en Mbujimayi, et que ce soit les Congolais, que ce soit les étrangers, c'est une université. On ne va pas retenir seulement les Kasaïens. C'est pour tout le monde. C'est comme l'université de Lubumbashi, Mututu à Kendarakuna, l'université de Kisangani, Mututu à Kendarakuna, ce sont des universités de l'État. Tout le monde peut accueillir Kokota. Nous avons soutenu la construction, nous avons soutenu l'idée de construire des universités partout, bien qu'il n'y a pas de programme pour la construction des universités. Mais on a pris l'argent. Vous savez où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour construire l'université de Mbujimayi? Bazumbongo Arabe. Ramo ba yiba ki biso en amont, ba kosi biso ke baza ko sa elango misala pour l'intérêt de la communauté. Et en aval, on se rend compte que l'argent a déjà été détourné. Tout ce qu'on nous a présenté là, c'était du vent. Plus de 42 millions de dollars. Et on vous dit, Mbongwana et ça les l'autre. Alors, comment pouvons-nous cautionner ça? Moutou azo mona mabe zo sa ema contre sa nation. Ma préférée que se taire. C'est un complice naïf. Il faut que Moutounion soit à Monique et l'autre et sa mesa mabe. Il faut manifester. Non, ça te concerne. On dira quoi à nos enfants? Dites-moi. Comment pouvons-nous être gérés par des immoraux? Comment pouvons-nous être gérés par des criminels économiques? Comment pouvons-nous être gérés par des délinquants financiers? Nous avons la grande responsabilité de manifester notre colère. Nous devons tous fustiger ce qui s'est fait. Et il faut qu'il y ait réparation. Ici, on ne détourne qu'en termes de millions. Il
millions, 133 millions, 600 millions, 800 millions, 57 millions. Non, le peuple a souffri, mon exaté, batouba, ou les landala. Tout le monde préfère ce thème. Non, moi je ne veux pas tolérer. Voilà pour que je vous demande, à vous, peuple congolais. C'est l'article 64. L'article 64, il y a la constitution. Il y a un la ligne clé de voûte. Il y a un kofungola. Ma kamounyon soyo, tous allez kolilawa. L'article 64 de la constitution dit ceci. Pote aussi, ça va. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus. C'est-à-dire, quand on dit individu, là, on parlait de Félix Tshisekedi. Comme lui n'était pas au pouvoir, mais il a participé dans le deuxième aspect à la phrase. Groupe d'individus, c'est-à-dire le FCC Cash. C'est Kabila qui a donné à M. Félix Tshisekedi le pouvoir. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi a bénéficié par le fait qu'il était en alliance avec Kabila. Kabila a usé de sa force, de la force publique, pour mater la population. Groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Où qu'il exerce en violation des dispositions de la présente constitution. J'ai pouvoir dans ma casse, Baza Conseil est là en violation de la constitution et nous vous l'avons démontré ici. Ce qui veut dire quoi? Il faut que tout Congolais a fait échec. Comme la Cour constitutionnelle ne peut pas juger M. Félix, c'est que parce qu'il a d'aller caporalisé. Et Sengeli maintenant la juge des juges, ce que nous appelons le souverain primaire, juge des juges a décidé sur le sort de M. Félix Tshisekedi. Article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui décide en dernier ressort. Seul le peuple qui décide en dernier ressort. Voilà pourquoi je vous demande, à vous, peuple congolais, Yako Téléma, Yako Loba, plus jamais ça. Nos hôpitaux sont aux Anabakis. La population prise en charge était. Ceux qui travaillent n'ont pas de moyens. Bateau, Bazali, comme ça, en armée, leurs soldes, ils allaient presque nuls. Au Taliban militaire, les policiers, ils ont la ténuité. Nous avons un problème, il y a pour équiper notre armée, pour sécuriser la population. Il n'y a rien qui se fait pour le peuple. Mon Dieu, du peuple, bande de criminels. Il faut tout téléme la bango, tout le bas, plus jamais ça. Peuple congolais, n'a pas de enclenche l'article 64. Téléma a enclenché l'article 64. Ce qui est salé à moté, au causant à ta maille à mus, y a collé là. N'est-ce pas mon abatto, bakoya koyi, bakoya ta maille à mus, au causant à ta maille à mus, y a collé là. Bazam yibi. Téléma, joie décision, plus jamais ça. Ce qui est bako mi kobang à peuple, bako sala pour l'intérêt à peuple. Non, on ne peut pas vous prendre en otage, c'est votre argent. La République n'appartient pas à Félix Tshisekedi, il n'a pas les certificats d'enregistrement. Papa n'a pas fait un testament, il y a 2 345 409 km². Je vous demande, je vous supplie. Ils ont passé ma case pour la République. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Et je crois que Togokutan Ambalasima, Baoyo, Bazali, n'a pas ça pour contacter Bisho. Bakoyuko Sala Ango à tout moment, nous sommes là. Tozali n'a pas ça, il y a votre accompagnement. Tozali n'a pas ça, il y a votre soutien. Beau partager, beau liker, beau s'abonner massivement. Et ça sera bien pour tout le monde. Nous avons vraiment besoin, Nabino, pour qu'ensemble, Toyeba, Kosala, Makambo, Oyesengeli, pour que le changement arrive. Tout d'ailleurs, pour ça, à ce que tous ceux qui veulent
nous appeler Babenga Biso et ça sera une bonne chose pour nous. En tout cas, merci na bande gonyo soyo. Tomoni batindi ba message bien que ba commenter te batindi quand même ba message. Je vois ici il y a beaucoup de messages oyé Biso. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va se voir prochainement. Et ça sera une bonne chose pour tout le monde. Bye et à la prochaine. Merci.